Bonjour à tous les amis et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Cette fois-ci on va s'attaquer à Forza Horizon 4. J'espère que vous allez bien de votre côté, nous ça va bien. Je suis en compagnie de monsieur Dylan, comment vas-tu monsieur? Ça va, ça va. Alors on va vous donner un peu notre avis sur Forza. J'ai hésité à faire un article pour la page Facebook et je me suis dit allez, ça fait 2 ans que le jeu maintenant est sorti, plus ou moins, hein. Je crois que c'est en 2018 qu'il est sorti le jeu. Et je me suis dit, allez, on va pas faire un article juste pour ça, mais au moins donner un peu son avis sur ce dernier, au moins en vidéo, comme ça, ça fait une petite nouveauté sur la chaîne. Donc je pense que je vais te laisser la parole, monsieur, vu que tu es mon invité, si tu veux commencer. Alors je commence, c'est comme tu veux. Ah, comment ça, écoute, après tout, c'est ta chaîne. Hein. Ok. Alors pour moi, à savoir déjà que c'est pas mon tout premier Forza Horizon, j'ai commencé par le 3, très honnêtement. Le 3, je le trouvais déjà excellent pour l'époque. Assez particulier les Forza Horizon parce que c'est de l'open world et tout ça. Et comme on en a déjà parlé avec Dylan, on a la sensation que. Enfin, c'est pas une sensation, mais c'est même une chose sûre, c'est qu'ils sont là pour concurrencer Need for Speed. Et en soi, Forza Horizon 4 n'est pas mauvais, mais je trouve qu'il y a pas mal de petits défauts. A commencer déjà par la ville de Londres, donc vu qu'on se trouve en Angleterre, je la trouve pas géniale. Très honnêtement, je suis pas séduit par le pays qui a été choisi. Non pas pour son aspect visuel qui me dérange ou quoi, mais c'est plutôt que, à part des champs, on voit rien d'autre. Il y a un peu de ville par moment, mais encore en ville, je trouve que c'est pas ouf quoi. C'est sobre, c'est pas ouf au niveau de la ville. Après, à part voir de la campagne, il n'y a rien d'autre et je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré avoir une grande ville un peu comme sur le dernier Need for Speed où ça se passe à Miami et compagnie. J'aurais préféré plus un délire dans le genre là que des champs à perte de vue quoi. Après, je pense qu'ils l'ont fait un peu exprès, c'est pour permettre aux joueurs d'avoir une totale liberté et d'avoir des grands axes pour faire rougir les moteurs. L'autre petit reproche que j'ai à faire, bien entendu, il y a bien des points positifs, mais on va commencer par les points négatifs. L'autre reproche que j'ai à faire, c'est dans le comportement des véhicules. En dehors des courses, les véhicules se comportent de manière assez crédible, et pendant les courses, les véhicules ont un comportement complètement différent, limite incontrôlable. Et Dylan me faisait savoir que de son côté c'était un peu le même délire et que le style de conduite changeait du mode libre au mode course. Et après le dernier point négatif que j'ai à parler, c'est au niveau de la bande son des bruits de moteur, je la trouve complètement hachée. Pourtant le jeu se veut assez réaliste dans le style de conduite et dans le design des véhicules. Le design est très bien respecté, on en reviendra juste après. Mais alors dans la bande de son, je trouve que les bagnoles ont trop un son soit aigu ou soit trop grave. Ils ont pas un son qui est vraiment respecté et fidèle à la voiture. Par exemple, nous deux qui sommes tous les deux passionnés de Nissan GT-R, je trouve que les Nissan GT-R, par exemple, même pour la Subaru, je trouve qu'elle fait pas du tout de bruit de la vraie bagnole, quoi. De la vraie voiture en soi. J'ai l'habitude d'entendre des sons de GT-R grâce à des vidéos sur YouTube. J'en ai déjà entendu en vrai des sons de GT-R modifiés et compagnie. Et ça faisait des bruits vraiment à vous faire chanter les oreilles. Et là, dans le jeu, elles ont des sons qui sont à gerber. Et comme je vous le disais, même pour la Subaru, alors je sais pas si c'est le fait qu'on modifie les moteurs dans des aspects complètement irréalistes. Parce qu'on voit que les bagnoles peuvent monter à plus de 900 chevaux, ou je sais plus trop combien là pour certaines. Je me dis que des fois c'est un peu abusé, mais je sais que ça peut arriver aussi. Que certaines bagnoles peuvent être modifiées jusqu'à 900 chevaux irréels. Mais voilà, après je ne me connais pas trop en mécanique, automobile et compagnie, donc c'est pour ça que j'ai évité de trop m'aventurer sur ce sujet-là. T'as quelque chose à dire toi sur les points négatifs, Dylan, ou pas du tout? Niveau du son, le problème qu'il y a dans le jeu, en fait, c'est que certains véhicules ont le même son. C'est ça. Sans que ce soit le même modèle ou la même marque de véhicule. Ils n'ont pas de son qui se démarque de chacun des autres. Bah, entre chaque catégorie de véhicules, t'as un son différent. Mais après, entre véhicules, je dis une connerie, mais juste pour donner un exemple vague comme ça, même si je ne suis pas les vérifier. Mais tu prends par exemple une Peugeot 206 qu'il y a dans le jeu, elle aura le même bruit que la Porsche 911 par exemple. Il faut modifier. C'est le seul
Enfin, c'est un peu dommage, quoi. Dans Forza 3, il me semble qu'il y avait quand même plus de sons différents. Il y avait plus de divertissement. Ah, j'ai fait Horizon 2, Horizon 3, Horizon 4. D'accord, moi j'ai commencé après, uniquement par le 3, quoi. Horizon 2 m'a pas laissé de grands souvenirs. Après, le 3, c'est vrai qu'il était quand même trop mieux, que ce soit la map ou... Enfin, déjà, la map était mieux sur le 3, je trouve. D'accord. Après, côté point négatif, t'as quelque chose à rajouter ou je peux attaquer les points positifs? Non, point négatif, non. À part si, peut-être un peu que... Bah, il nous lâche un peu comme ça dans le jeu, même s'il donne quelques indications. Il y a l'intrusion un peu abusive du GPS qui t'indique où sont les nouvelles courses dès que t'as réussi à atteindre un certain niveau du jeu, qui est assez chiant. Parce que ça, tu peux pas le couper. Ça t'ouvre la minimap pour te dire, vous avez débloqué telle course, telle course, telle course. Ouais, t'as l'impression d'être agressé par le jeu, comme je te l'ai dit. Il est agressé, mais le problème c'est qu'après, ils te disent pas par ce que tu dois vraiment faire, finalement. Ils te donnent les courses à faire. Et c'est tout, quoi. Ils te disent, vous avez débloqué telle course. Mais après, ça, ça reste un impôtoir, donc c'est à toi de choisir tes quêtes, comme tu ferais dans n'importe quel RPG et autre. Mais tu te perds facilement au niveau des courses, tu sais plus où tu en es, ce que tu dois vraiment faire. C'est un peu le bordel, quoi. C'est comme Yann qui est avec nous présent sur Discord, je sais pas s'il prendra la parole, mais vu qu'il l'a testé, c'est comme il disait, c'est vachement brouillon, et comme tu le dis, tu sais pas par quoi commencer, il y en a tellement que tu sais plus où donner de la tête, quoi. Bah c'est oui, vas-y Yann. Tu ne m'as pas introduit à la vidéo, donc j'avais pas l'intention d'ouvrir ma gueule, j'avais que mon micro. Y'a pas de mal, t'inquiète. Mais oui, vas-y. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'ils auraient pu faire le principe que si tu choisis telle classe de véhicule, ils t'affichent que telle course faite pour ton véhicule. Un peu comme dans les Need for Speed, que tu prennes un véhicule pour le drift, il te met les courses uniquement pour le drift et compagnie, quoi. Voilà, ça aurait été peut-être plus simple au niveau de la carte pour la lire, en sachant que, voilà, après, tu sais quelle course tu as fait, quelle course tu as réussi à finir premier, parce que tu as un petit logo qui s'appuie dessus. Mais après, ils auraient pu faire en sorte que quand tu prends un véhicule pour faire des courses terrestres, ils te mettent que des courses de terre. Et quand tu prends, par exemple, comme pour moi, j'ai la Ford GT, que des courses, on va dire, type route, quoi, et pas de tout terrain avec, quoi. C'est clair, ouais, ça, là-dessus, c'est vrai que on s'est déjà retrouvé avec une Porsche à faire du tout terrain, quoi. Ça aurait été... Bah, après, tu peux, enfin, même si physiquement irréel, ça serait un peu compliqué, ça reste faisable quand même dans le jeu. Dans le fond. Mais même dans la réalité, si tu sais équiper ta voiture, même avec une Porsche, tu pourras faire du tout terrain. C'est pas conseillé pour la Porsche, mais tu peux quand même en faire. Je fais un peu n'importe. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais, le poteau il devait être bon apparemment. Ouais, très bon même. Ouais, non, là-dessus je suis d'accord avec toi. Alors après, pour je pense... Oui. Ce que je peux dire, vas-y. C'est que dans ce jeu, la voiture, c'est pas... La voiture que tu gagnes, c'est plus un trophée, c'est plus un... T'en gagnes tout le temps. Oui, ouais, c'est pas une excitation, pas l'excitation de gagner la bagnole, quoi. Tu sais plus laquelle choisir, tu sais plus la machin, alors tu les revends, tu vas en modifier quelques-unes, tu dis, oh bah j'en ai gagné une qui est nettement meilleure, je l'ai gagné à un tirage au sort, un bête tirage au sort que tu gagnes toutes les 5 minutes, t'as un tirage au sort, tu sais plus bah, quoi, tu sais comment, machin. Dès que t'as passé un niveau, t'as un tirage au sort. Voilà, mais en plus, t'en as 9 en attente, tu sais pas pourquoi. Mais tu gagnes du fric, tu gagnes des bagnoles qui sont meilleures que la bagnole que tu viens de customiser, tu. Il y en a trop, c'est plus un. Pour moi, c'est plus le fait de gagner des bagnoles quand tu gagnes des courses, quoi que ce soit, tu gagnes une autre bagnole, bah, c'est plus un achievement, quoi. Puisque tu en gagnes toutes les 5 minutes, de toute façon, des bagnoles. Donc... Ah, si on prend l'exemple par rapport à Need for Speed, Need for Speed, t'étais content d'avoir débloqué les thunes pour t'acheter ta nouvelle voiture. C'est ça. Parce que tu savais qu'il fallait encore que tu progresses derrière si tu voulais acheter une nouvelle voiture, alors que là. Ben voilà, ben car ils ont. Ben, Ford GT ça reste un trésor de grange parce qu'il y a des trucs à découvrir dans le jeu. Mais je prends l'exemple, on commence le jeu avec soit une Mustang, soit une Audi, soit la Ford Escort. Mm-hmm. Au bout de 3 courses, au bout du prologue qui est terminé, ben, tu peux débloquer une Porsche Panamera ou une Ford Mustang 2018, quoi. Donc finalement la voiture de base que t'as dans le jeu de base, elle dégage tout de suite. C'est ça, tu prends pas le temps de la faire évoluer comme dans les Force Speed. Non, quoi. Ben là pour tout dire, moi je suis à 213 voitures. Et les 3 quarts, je les utilise pas, quoi. Je les ai custom pour le délire, mais c'est tout. En course, après, j'utilise 3 voitures, c'est tout. Alors après, pour éviter qu'on soit trop long sur le... C'était un beau débat, messieurs, merci à vous. Après, pour éviter qu'on soit trop long dans les avis de la vidéo, hein, bien entendu. Pour les points positifs, je pense qu'on peut être tous les 3 d'accord. J'ai oublié d'inclure Yann dans la vidéo, mais voilà. Vu que j'en parlais tout à l'heure avec lui.
dans les points positifs, le jeu reste vraiment très beau visuellement, ça y a rien à dire, il en fout plein la vue. Les bagnoles sont très respectées visuellement, que ce soit extérieurement ou intérieurement, elles sont très charmantes. Et non, franchement là-dessus ils ont vraiment pensé aux moindres petits détails pardon, quand on voit le personnage s'amuser avec le levier de vitesse ou avec les palettes au volant et compagnie. Non, franchement c'est vraiment bien réalisé. Après, dans les autres points positifs, je pense on a fait un peu le tour, et à part le visuel du jeu, je vois pas ce qu'on pourrait parler d'autre. Bah, en point positif, mais ça rejoint un point négatif, c'est le choix des véhicules. Ouais, t'as beaucoup de choix, mais... Ils ont un gros choix de véhicules, donc ce qui est positif, parce que dans un jeu de voiture, bah, c'est quand même ce qui fait la force du jeu de voiture, c'est d'avoir le choix dans tes véhicules, donc ils ont quand même un sacré catalogue, il y en a 685 pour le moment, donc avec la mise à jour qui sortira demain, quand la vidéo sortira, elle sera déjà sortie. Mais ça va rajouter encore 5 voitures ou 6 voitures de plus, qu'on va passer à 690 voitures dans le jeu. C'est un énorme catalogue, mais le problème, il est là aussi, c'est qu'il y a trop de voitures, donc on sait plus quoi choisir à la sortie. C'est ça. Je nous sélectionne une petite course. Hop, ouais, là. Vas-y. T'as vu où c'était ? Ouais, je me fais TP qu'une voiture. Ok. Après, ce que j'aime bien dans les points positifs, c'est qu'on puisse jouer avec les joueurs Xbox, vu que moi je suis sur PC, même si je joue à la manette. Dylan est sur Xbox et tout, on peut vraiment jouer ensemble sans avoir de limite, et ça je pense que c'est vraiment la force du jeu en soi quoi. Par contre c'est assez compliqué de se rejoindre, je sais pas si c'est toujours le cas. Oui. Ouais non c'est toujours le cas, c'est galère, ouais. Là-dessus ça c'est un gros point noir, c'est toujours galère et tout. Alors... Et le truc des fois c'est que si t'as foiré ta course et que tu décides de quitter, le truc qui est encore pire, c'est que si toi tu quittes, ton pote il est obligé de quitter, mais il est obligé ensuite de recréer une session et t'es obligé de le rejoindre dans sa session. Tournez à droite. C'est un peu le bordel, ouais. Ça te quitte pas automatiquement le groupe entier, ça te quitte que toi de la course. Et en plus ça te désynchro de la session où tu étais avec ton collègue. C'est ça. En fait, pour tout refaire à chaque fois. Et il suffit que la connexion derrière malheureusement suffit pas, tu passes plus d'un quart d'heure à essayer de te reconnecter au groupe. Alors je sais qu'on avait déjà parlé des points négatifs, mais encore un autre point négatif que je pensais, c'est les IA qu'on affronte dans les courses. Quand on fait des courses, là, on est en train de partir pour aller faire une course, c'est le comportement des IA en course, comme Yann il le faisait savoir, et ça je m'en suis aperçu depuis que j'y joue maintenant un peu plus avec Dylan, c'est que t'es obligé de leur taper dedans. Si tu leur tapes pas dedans, c'est galère à les doubler. Tu peux les doubler de manière un peu légale, on va dire, enfin légale. Dans les règles de l'art où tu vas aller faire un beau dépassement dans un virage ou dans une ligne droite, si tu arrives, ça va être cool, mais dans la plupart du temps, quand tu arrives dans un virage, t'es obligé de leur taper dedans parce que les mecs, ils ont une meilleure accélération que toi à la sortie du virage, quoi. Toi, t'es en train de freiner dans ton virage, qu'eux, ils sont déjà encore... Enfin, ils sont déjà sortis du virage et qu'ils ont déjà accéléré derrière, quoi. Et ça, c'est vraiment encore l'un des points noirs de ce jeu-là. Après, je dis pas que le jeu n'est pas bon en soi, hein, mais le jeu aurait pu être meilleur s'ils auraient apporté un peu plus de soins sur certains éléments qu'on est en train de citer, les IA, le bruit des moteurs, le comportement des véhicules. Alors je sais pas après si c'est le fait que je sois à la manette et que le jeu est peut-être mieux conçu pour être joué au volant vu qu'il se veut un peu plus simulation. Je sais pas du tout, je l'ai pas testé au volant pour vous donner un avis un peu plus fondé, mais voilà, je pense que le jeu aurait eu... aurait mérité, pardon, avoir un peu plus de soins, quoi. Ah, c'est comme là, je viens de me bouffer un arbre. À plus de 200 km/h, Dylan vient de me percuter et tout, la bagnole, elle a rien. Après, je sais qu'on peut mettre dans les options... On a pas mis les dégâts, ouais. On peut mettre les dégâts réalistes et tout, mais je trouve que c'est pas encore ça, même au niveau des dégâts. Je suis sûr que même en mode réaliste, à part exploser le moteur, t'auras rien d'autre, quoi. Je sais pas, j'ai jamais testé après. Mais voilà, après voilà, pour en parler globalement, et après je pense qu'on va s'arrêter là dans les avis, on va vous laisser regarder la course tranquillement. Pour terminer l'avis en résumé, le jeu est vraiment bon, il aurait fallu un peu plus de soins importés de la part du studio de Microsoft, hein, vu que c'est Microsoft Studio qui s'en occupait du développement, je me le mets avec les Subaru. Hein. Ouais. Un meilleur soin aurait été mieux pour le jeu. Et après, de ce côté-là, je pense qu'on aurait eu un bon Forza Horizon. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner sur Forza Motorsport 8, je pense qu'il va être annoncé demain 7 mai, vu que ça va être l'inside de chez Xbox.
Donc je pense qu'ils vont annoncer pour la PS5 et enfin la PS5 pff, la Xbox oh, ouais, ça va. La Xbox Series X, ils vont annoncer le prochain Motorsport. Et de toute façon pour Forza 5, vaut mieux attendre encore d'ici 2-3 ans avant d'en voir un nouveau arriver, vu que celui-ci est encore mis à jour actuellement. Il y a le patch série 22 qui doit sortir demain. Et je crois que c'est le dernier qu'ils vont faire. Hein, d'après ce que j'ai compris. Ah, bon, on verra bien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la petite note en soi? Non, pas spécialement. Après, non, ouais, il y a le choix des véhicules qui est pas mal. Encore une fois, c'est un avantage et un inconvénient pour un jeu comme ça, c'est ça le problème. Oui. Ça joue au double tranchant. Après, niveau des courses, je trouve que c'est pas si diversifié que ça finalement. T'as non, elles se ressemblent toutes, c'est ça le problème, elles se ressemblent toutes. Elles se ressemblent toutes, mais en fait, si j'ai un point positif par contre à rajouter. Mais au niveau des courses, c'est en trois catégories, c'est courses de route, course de terre et course non, j'ai mangé le nom comme ils le disent dans le jeu, mais où ils mélangent terre et goudron et asphalte. En fait il y a trois types de courses à pouvoir en parler. Après par contre oui, un point positif, ce qui est pas mal, c'est les missions scénario. Donc après il faut prendre le temps de découvrir le jeu et de les faire. Bon, ça reste que de la conduite de véhicules, mais ça permet de conduire des véhicules qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé à acheter, ou voire même pas du tout acheter, parce qu'on pensait pas du tout à ça. Mais et puis ça fait découvrir des petits paysages par droite à gauche, mais ça reste pas mal. Après tu vois par exemple là, vu qu'on est dans une course pour la fin de la vidéo, je trouve aussi ça un peu dommage, c'est que comme Yann l'avait souligné la dernière fois qu'on avait joué ensemble, c'est que malgré que un de tes potes va terminer premier et que toi tu vas terminer 3-4ème, tu auras remporté la course quoi qu'il arrive. Ouais mais après parce que là ce qui est nouveau des courses multi, c'est qu'en fait quand tu cours en coop, c'est le total des points de ton équipe. Ouais ouais. J'aurais mis un classement comme dans un vrai jeu de après, course, un classement championnat oui, ça, et tout ça. Oui, avec, avec le championnat ou même juste avec les chronos. C'est vrai que là, même à la fin, même si tu gagnes, tu sais pas ton chrono finalement. Et rassurez-vous les gens qui regarderont la vidéo, je n'ai pas que des points négatifs sur le jeu. Hein. Comme je le disais, il y a des points très bons et tout. Là par exemple, moi ce que j'adore dans ce jeu-là, pourtant je suis très fan de courses de drift. Bon, malheureusement j'en ai pas encore fait parce que je débute à peine sur le jeu. Hein. Je dois avoir une quinzaine d'heures, pas plus. Faudrait que je regarde tout à l'heure. Ce que j'adore vraiment dans ce jeu là, c'est les courses rallye où ça mélange terre et un peu du bitume comme on est en train de faire là. Et je trouve que les sensations sont vraiment excellentes sur ce genre de course. Déjà je sais pas rouler. Mais non franchement les sensations sont vraiment très bonnes quoi. Ce que j'aimais bien aussi qu'on avait fait la dernière fois Dylan, c'était les courses drag. Ah, sur ouais. les 400 mètres, les 500 mètres et tout ça. C'est vrai que ouais, voilà, après ça reste des courses qui sont très... Ah, il me l'a compté. Non putain, il l'a pas compté. Ça reste des courses très très courtes, les courses de drag. Donc, Mais ça, ah après, putain, voilà, non, bon, il me l'a mordu. Les courses de drag, je trouve que ça reste juste des limites des courses optionnelles finalement, parce que les courses principales, c'est comme je l'ai cité, c'est terre, bitume, asphalte et mélangé comme mixte. C'est trois grosses catégories. Après, il y a les radars en objectif optionnel, les secondaires, il y a les radars, il y a les zones de drift. Même si tu as des parties de mission scénario qui sont en drift que j'ai encore attaqué moi, je vais peut-être le faire en vidéo aussi. Mais après, ça reste... ouais, c'est trois grosses catégories dans le jeu en fait qui font les courses. Le reste, pour moi, c'est une limite optionnelle finalement. Et si t'as pas envie de les faire pour progresser, tu les fais pas quoi. Par contre, j'ai littéralement foiré ma course, hein, vu que j'ai dû rembobiner deux fois. Il y a juste le mode que t'as pas testé, c'est le mode élimination, donc le mode Battle Royale de Forza. Ouais, mais bon. Moi, j'ai testé une fois, donc peut-être que je retournerai dessus pour voir ce que ça donne, si je refais d'autres ou pas. J'ai testé une fois, et en une fois, c'est vrai que bah, ça reste un Battle Royale. Avec des voitures, c'est surprenant comme mode de jeu, parce qu'on s'y attend pas vraiment. J'ai tellement l'habitude de voir des FPS à la place que ça fait bizarre. Mais ça reste sympathique à faire. Après, je pense pas qu'en faire autant de parties comme sur un COD ou un Battlefield ou n'importe quel FPS à la con, ce soit super intéressant à la longue. Ah ouais, non, je vois bien ce que tu veux dire. Donc là, vous voyez par exemple, il est premier, Dylan, je suis dernier et on va gagner la course parce que monsieur est premier et moi je suis dernier.
Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. Ils auraient dû faire un truc pénalisant où t'es obligé que le ton pote soit classé correctement, quoi. Au moins dans le minimum du top 10, en plus je sais pas conduire ton pote. Non, non, je sais littéralement pas conduire. Non, mais j'ai fini. Bon ben, je pense que une fois la course terminée, on peut en rester là pour la vidéo, à moins que quelqu'un voulait rajouter un petit quelque chose. Je pense qu'on a fait le tour. Ça marche. Ben, merci bien à vous de nous avoir regardé pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner pour les prochaines vidéos. On vous dit à la prochaine, portez-vous bien les amis, c'était Mike avec Dylan et en compagnie de Yann, malgré que j'ai oublié de l'introduire au début de la vidéo, mais bon, normalement c'était pas prévu que je l'introduise, mais voilà. On vous souhaite une bonne fin de semaine, à bientôt, portez-vous bien et à plus !